Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation projet. Donc, j'ai terminé mon petit album. Je vous devais déjà vous le faire la semaine passée, mais bon, là, j'ai eu des imprévus, donc j'ai pas su vous faire de vidéo la semaine dernière. Mais là, j'ai terminé donc le petit projet. Donc, je vais vous le présenter. Donc, c'est un album, un mini-album. Enfin, c'est un peu un mélange de plusieurs choses. En fait, c'est un peu un 3 en 1. Donc, j'ai un petit peu repris l'idée de faire un mini-album avec un mélange junk journal et un peu style folio. Donc, vous allez voir un peu l'intérieur. Donc, j'avais envie d'un peu de rassembler ces trois choses-là parce qu'en ce moment, c'est les trois choses que j'aime le plus. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est un album que j'ai réalisé avec la collection de chez My Mind Eyes et c'est la collection Blush, comme ça. J'avais mis une photo sur Facebook ce matin. Donc comme je l'ai terminé, je dis je vais vous faire la petite vidéo cet après-midi, comme ça je vais vous le présenter. Voilà, donc c'est une très très jolie collection, tout en rose gold. Hein, donc il faut aimer le rose gold, sinon c'est pas la peine d'acheter cette collection. Vous allez voir, ça brille de partout. Voilà, donc ce mini album, enfin cet album, je vous le présente. Donc il se présente comme ceci. Vous voyez, ça brille de mille feux. Donc j'ai décidé de mettre cette couverture avec des petits pois rose gold. Voilà, j'ai juste mis en fait sur la couverture un petit ruban, des petits cœurs en stickers de la collection. Là, c'est une grosse ro rose. C'est une grosse fleur en dentelle de chez Prima. Bon, la couleur, elle était très jolie. Ça s'accordait parfaitement avec ça, avec une petite perle au milieu. Voilà, donc la tranche, elle est comme ceci. Donc là, il y a des puffy stickers qui sont ici. Donc c'est un album qui est relié, vous allez voir l'intérieur, donc il y a un carnet relié par de la ficelle, hein, la corde, sur laquelle j'ai accroché de la dentelle, et j'ai mis un chunky charm, comme ceci, qui m'avait été offert, je crois que c'est Marion qui m'avait offert celui-ci, donc voilà, je l'ai attaché, donc avec des petites breloques, comme il y avait du rose dedans, je trouvais que c'était... Ça s'accordait super bien. Donc voilà. Et l'arrière, il est tout simple. Voilà. Comme ceci. Et la fermeture, c'est une fermeture avec un élastique. Voilà. Donc fermeture élastique. Voilà. Donc comme ceci. Je vais vous l'ouvrir et on va découvrir l'intérieur. Alors, il se compose d'un côté gauche, le carnet au milieu et puis d'un côté droit. Alors là, pour la construction de cet album, c'est de la récup. Donc en fait, quand vous achetez des draps housses, vous allez voir, c'est tout bête, hein, mais moi je récupère tout, hein, tout ce qui est carton, je récupère vraiment tout pour faire mes structures d'album. Donc c'était dans les draps housses, c'était au milieu du draps housses de chaque action. Vous avez ce genre de carton comme ça. Donc, vous voyez, la structure, pour moi, elle était toute faite. Voilà. Et vous avez le tissu qui est autour et tout. Donc, moi, je garde ça. Vraiment pour avoir... vous voyez, c'est déjà la... C'est la structure, en fait. Hein, elle est déjà faite. Je coupe à dimension que je veux. Hein, donc, voilà. Et ensuite, moi, je le recouvre de papier noir. Assez épais. Pour dire d'avoir quelque chose d'un peu plus solide, mais au départ, bon, voilà, moi je récupère ce genre de cartonnette et ça vous fait la structure de l'album. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas ça, on peut la faire autrement, hein, mais bon, voilà, ça c'est la petite astuce de la structure. Moi, c'est ça que j'ai utilisé pour faire celui-ci. Voilà. Donc, dans le côté gauche. Donc ça se présente donc quand je vous dis que c'est un peu une structure comme un mini-album, c'est un peu tout ce qui est rabat, pochette, voilà. Donc ça va être caractéristique du mini-album.
Le folio, ça va être plus des pochettes en plastique de rangement, plus range documents, et puis le junk journal au milieu. Enfin, ça, vous verrez par la suite. Allez, c'est parti, je l'ouvre. Donc, le premier, donc, bon, la collection, comme elle est déjà très chargée au niveau rose gold et beaucoup de dessins dessus, j'ai pas mis grand-chose. Donc là, j'ai mis un petit peu fil à stickers qui est ici. Alors, un premier rabat comme ceci. Avec ici une pochette. Je vais juste prendre un petit morceau de papier, comme ça je vais vous montrer à chaque fois qu'il y a une pochette. Parce que ça, les tags, etc., j'ai pas encore fait. J'ai pas encore fini. J'ai encore les faire, ça. Je vais prendre un petit bout d'enveloppe. Ça se verra peut-être. Non, évidemment, ça va être trop gros. Bon. Un petit morceau de papier. Attendez, je vais reprendre juste un petit morceau de papier là. C'est juste pour vous. Comme ça, vous avez une idée de toutes les pochettes qu'il y a dans l'album. Un grand morceau, mais bon, c'est pas grave. Donc, une première pochette ici sur le côté, donc en coin, donc pour y insérer quelque chose. Le deuxième rabat de ce côté-ci avec une pochette de nouveau là avec un petit puffy stickers. Donc une pochette ici. Voilà. Ensuite, on ouvre comme ceci. Là, vous avez de nouveau la même page. Donc c'est un rappel à la page ici. Vous avez là une pochette, mais là qui est sur le haut à droite avec un petit puffy stickers ici. Donc la pochette. Comme ça, voilà. Au milieu ici, un grand espace où on peut mettre photo aussi, hein, également. Donc photo. Une grande pochette ici. Voilà. Ensuite, je vais le mettre un peu comme ça. Ensuite, on soulève. Donc là, j'ai fait ça donc avec une perforatrice de chez Martha Stewart. Donc la petite bordure là, c'est une perforatrice de chez Martha Stewart. Donc là, on soulève comme ceci. Là, on a un grand espace photo. Voilà. Et ici, j'ai fait une pochette tout en transparence. Donc c'est une pochette plastique que j'ai collée et où j'ai mis du masking tape rose gold que j'avais dessus. Voyez. Et là, j'ai mis un stickers de la collection. Et donc là, c'est une pochette plastifiée. Voilà, où on peut insérer des documents comme on veut. Vous voyez, là, on voit bien, c'est en transparence. Donc c'est une pochette en plastique. Voilà. Alors, hop. Parce qu'il y a tout qui se soulève. Donc on referme comme ceci. Alors, on va d'abord faire la partie de droite. On s'occupera du milieu après. Donc la partie de droite, elle est comme ceci. Donc avec un petit rabat comme ça. Là, j'ai fait deux petits tags. Là, je les ai fait déjà. Hop. Enfin, c'était les stickers de la collection avec une petite pochette ici pour y insérer aussi quelque chose, si on veut. Voilà. Le petit puffy sticker. Ça revient très souvent. Ici, de nouveau, un autre rabat. Ah non, c'est un rabat en haut. Voilà, comme ça. Là, un grand espace. J'adore ce papier. Il est très très joli. Celle qui aime le rose gold, allez-y, il est encore en vente. Hein, il n'y a pas de problème. Donc, vous pourrez encore le trouver. Un autre rabat comme ceci. Et là, vous avez trois grandes pochettes. Donc, une très grande ici. Voilà. Et là, elle n'est pas, je vais dire, elle n'est pas. Fermé, donc vous avez tout l'espace en fait de haut en bas pour pouvoir y glisser des choses. Donc un grand tag comme ça, vous voyez, ça rentre tout à fait. Et là, vous avez chaque fois la pochette à chaque fois. Voilà, donc il y a trois pochettes avec chaque fois le petit puffy stickers ici. J'ai mis un sticker ce suite comme ceci. Voilà, et alors la partie du milieu, donc c'est comme ça. Donc qui est relié donc par la ficelle, donc c'est la partie junk journal, on va dire. Donc
Vous avez, j'ai mis un papier décoré là sur la première page, et ensuite là j'ai mis un autre, un stickers, et ensuite vous avez les papiers comme un jeune journal, hein, donc les papiers vieillis au café. J'adore faire ça. Donc vraiment en ce moment, c'est vraiment cet album, c'est vraiment un concentré de tout ce que j'aime faire en ce moment, mini album, jeune journal et folio, album folio, carnet, enfin voilà tout ça. Ça représente vraiment tout mon scrap en ce moment. Alors, c'est des pages vieillies au café, hein, donc il n'est pas encore garni complètement. J'ai juste mis ici un petit morceau de dentelle sur la page. Là, j'ai encore rien fait. Là, j'ai mis des coins, donc pour y glisser aussi quelque chose dans chaque coin, une pochette. Ici, j'ai mis un sticker. Sur l'autre page, ici j'ai fait un petit paperclip avec le papier de la collection. Voilà, avec un petit morceau de dentelle, un petit puffy stickers. Ici donc j'ai fait une pochette. Il y a une pochette tout le long. Je vais faire comme ça, je vais le poser. Voilà, là il n'y a rien. Là il y a un stickers. Ici, j'ai intégré au milieu une pochette en plastique. Donc là aussi, on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Là, j'ai mis des petits stickers ici dans le bas. Là, j'y a rien. Ici, j'ai fait une pochette avec un petit morceau de papier qui me restait. Donc c'est bien parce que quand on fait ce genre de choses, toutes les découpes qu'on utilise pour faire l'album, ben, on va tout réutiliser pour mettre dans le junk journal. Puisqu'on fait des pochettes avec ça, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est un petit paperclip qui m'avait été offert. Donc ça, c'est couleur papier qui m'avait offert celui-ci. Donc les couleurs allaient bien avec, donc je l'ai intégré dedans. Voilà, mais je vous dis, il n'est pas fini. Hein, donc je voulais vous montrer parce que après, je n'aurai pas beaucoup de temps. Donc voilà. Ici, à nouveau, une pochette là, une pochette ici. On a la deuxième pochette en plastique ici pour y mettre des choses. Voilà. Oh, j'ai plus rien fait sur les papiers. Ah oui, ici il y a un passant. Donc là, on pourrait y mettre quelque chose au milieu. Voilà. Et on arrive à la fin. Et là, c'est le dos du papier. Voilà. Voilà, donc voici pour mon mini-album. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Voilà, maintenant il y en a beaucoup de personnes qui vont me demander si je vais faire un tuto concernant ce mini-album. Alors la réponse est oui. Maintenant que j'ai trouvé un petit peu le système grâce au conseil de mon amie Sylvie, hein, parce que je suis pas très au point au niveau montage vidéo et tout. Maintenant, comme j'ai l'appareil qu'il faut, je sais le faire, mais j'ai besoin d'un petit peu d'entraînement pour savoir faire mes montages vidéo. Donc, le tuto pour ce mini-album, vous l'aurez. Maintenant, je vais pas vous donner une date, mais bon, d'ici normalement, d'ici 15 jours, vous l'aurez. Parce qu'après, je vais être en congé, mais j'ai des petits travaux à faire chez moi aussi. Donc, et puis, j'aurai certainement un projet pour la DT de chez Laurence. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire donc ce que vous en pensez. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus donc à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche là pour être au courant à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Comme ça, vous êtes prévenu dès qu'il y a une vidéo qui sort. Hop, vous êtes au courant. Voilà. Sinon, je reviendrai aussi donc pour le tirage au sort par rapport à mon concours. Et ensuite aura lieu à mon avis, deux vidéos concernant les réponses à toutes vos questions. Donc voilà pour les petites vidéos à venir. En attendant, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.